parmi les endroits où les invocations sont exaucées, c'est dans le tachahoud. C'est que beaucoup de gens ne savent pas. Vous allez voir beaucoup de gens, ils font la prière, ils font le salam, c'est après la prière, maintenant que tu vois, ils lèvent les mains. Après, ils font les invocations et ils frottent les mains au visage, ils font des bid'a. Ça, c'est des bid'a. Ça, c'est des bid'a. C'est-à-dire, après chaque prière, tu lèves les mains, après chaque prière, comme si c'était maintenant une sunna, ça devient une bid'a. Ça, c'est un. Deuxièmement, frotter les mains au visage aussi, c'est une bid'a. Tous les hadiths qui sont venus dire que le prophète faisait les doigts où il levait les mains, après il frottait son visage, c'est da'if. C'est les hadiths. Donc ça c'est une innovation, c'est une bid'a de faire quoi? De frotter les mains au visage après avoir fait l'invocation. Donc vous voyez des musulmans aujourd'hui, ils font la prière. Au lieu de faire les invocations là où les invocations sont même acceptées, c'est après la prière que tu vois maintenant, ils lèvent les mains et puis après ils commencent à faire le doigt et après ils frottent ses mains au visage. Ça c'est des choses qu'on doit éviter. Ce sont des choses qu'on doit quoi? Et éviter. Dans le sujoud, le doigt est accepté parce que tu es proche d'Allah. Mais fais l'invocation là-bas. Ce que tu as besoin là, tu as besoin d'argent, tu as besoin des enfants, tu as besoin de rentrer au paradis, tout ça là, fais ça dans le sujoud. Ça c'est un. Deuxièmement, si tu ne peux pas, fais dans le tachahoud. Fais dans le tachahoud. C'est parmi les endroits où l'invocation est acceptée. Quant au fait de laisser tous ces. C'est-à-dire, tu laisses les endroits. C'est-à-dire, on ne comprend pas les gens, c'est Ajib. Il laisse les endroits où le prophète a dit que le doigt est accepté pour venir faire dans un endroit où il ne s'est pas venu de la sunna. Donc, fais les doigts où? Dans le sujoud. Fais les doigts où? Au tachahoud.